Rebonsoir tout le monde, pas oublier sur Adduction Média, www.adductionmedia.com. Donc nous avec une acteur principal Married Man film là et une acteur principal pour moi même dire acteur principal film qui est je m'en souviens. Graphique comment nous même. Bon, nous en forme, m'a salué tout le monde, m'a salué toute fanio et puis félicitations pour le travail vous faire, c'est toujours un plaisir pour me parler à vous. Mm-hmm. On va le parler. Mon cher et une bagaille qui t'est attiré c'est réaction le où qu'on est madame dans Married Man pas le faire petite de comme si deux tempéraments qui visage pour un nègre qui carrément fait coller. Bon, ça c'est psychologiquement parlant et puis ou monter là ou nervé parce qu'on cherche un petite. Parlez-nous un peu de l'expérience en tant que acteur même pour moi-même et dans le film que moi pour première fois qui c'est Married Man, ça t'est. Mon cher, c'était une expérience extraordinaire. Ok, extraordinaire pour la simple et bonne raison que j'ai eu à travailler avec des gens de grande réputation, des mondes qui passaient aux deux présentations, Kankou Richie, Kankou Flav, Kankou Fantôme, Princesse Eude et autres. C'était une belle expérience et surtout, c'était une belle expérience aller travailler sous direction Robinson Lovens, qui sont un monde qui est très exigeant et qui a une vision qui est extraordinaire. Donc, j'ai passé un très bon moment. Le tournage était vraiment le fun. On s'est amusé, on a travaillé dur, puis ça a donné le succès qu'on a vu. Où fait mon vivre les Français là, qu'on n'a même pas fait ça. Mais, en nous garder, comment rencontre même avec Robinson Lovens? Parce que normalement, tout le monde connaît Robinson. Tout d'abord, c'était un réalisateur, il a réalisé des vidéos. Et puis, tout d'un coup, nous connaissons, il a commencé à réaliser quelques films. Mais le film monsieur qui fait plus bruit, c'est Married Man. Comment rencontre même avec Robinson? Ok, nous t'ai rencontré en 2015 dans MPH Movie Award qui fait Boston avec le président Patrick Domersan. Quand il m'a vu, il s'est approché de moi et il m'a dit « Oh, Denzel Washington haïtien, comment il ?» So, le monsieur dit ça. Le monsieur, écoute, ça sorti, il vient passer une bêtise à là, parce que tout le monde sait c'est qui Denzel Washington. C'est mon acteur préféré. Mm-hmm. Mais je n'aime pas, peut-être pas jamais galé. Et là, monsieur pour moi. Et là, monsieur pour moi. Mais en fait, il était honnête dans sa table, parce que lui, on a un respect pour minimum talent que je gagne. Et puis là, il m'a parlé, il m'a dit qu'il y avait un projet qu'il travaillait dessus depuis 5 ans, que l'hypoco paraît, mais là, il paraît, il t'a remis que je travaille là-dedans parce que lui aime non rôle là-dedans, puis il remet j'aime jouer et autres. Et que ça qui était important pour moi lorsqu'il m'a rencontré et qu'il m'a abordé, il m'a dit que je ne sais combien de temps je prends pour me finir un projet ça. Mais une chose est sûre, c'est que je dois mourir, je ne vais pas faire parce que pour me faire, il faut me révolutionner le cinéma haïtien. Effectivement, un an après, à peu près, il me dit bro, je suis pareil. Je me dis oh oui, je me dis bon, comme on avant entendu nous parler ça, nous avons une petite discussion par rapport à ça. Et puis, je me dis comme ça, mais on est même l'homme fort confiance où c'est Denzel Washington, pas, mais faut qu'on vienne passer audition parce que c'est pas moi qui a choisi mon yo. Et ça m'a beaucoup attiré malgré que monsieur croit un minimum talent que m'gien et que déjà ouais mon rôle livlé mais livlé fait ba yo en bonne et due forme et puis m'vienne passer audition pour rôle Juno et puis pour rôle Pamna Stephen Genesis mais c'est rôle Juno à m'terrain vous comprenez. Bon, donc, parce que je me suis trouvé le grand pile de défi là-dedans tout. Mais malheureusement, je n'ai pas de juger que je suis plus approprié à rôle ça, que je respectais. D'ailleurs, je salue tout le juge qui était là, qui c'est gros monde dans Hollywood, gros professeur, monsieur, qui était dans Film School. Ils ont fait les meilleurs choix qu'ils pouvaient faire. Okay. Et ça a donné le produit qu'on a vu. C'était un succès. Tout le monde était en place. Yo, et je pense que c'est une bagaille qui a gagné un succès. Married Man, tout mis à part toute l'autre direction technique, matériel qu'ils utilisaient. Mais déjà, le choix Caslan était extraordinaire. Voyons voir de ce que ça a commencé avec toi pour le cinéma. De ce que tu as commencé. Bon, mon cher, depuis en Haïti, je faisais de la publicité à la radio, à la télé pour Minustar. J'étais avec Arca Advertising, ok? Nestlé, Maggi, Cube,
pour ne citer que cela. Puis je devais peut-être jouer dans un film avec Richard Sénécal parce que c'est lui-même qui était confirmé pour Ark Advertising Cousin. Probablement, tu as joué le rôle Ménage Jessica. Mais en 2005, suite à une tentative de kidnapping sur ma personne, j'ai dû partir au Canada où j'étais déjà résident, mais je vivais en Haïti encore. Donc là, qu'on y a là, un jour, pendant ma longue côté, moi, Jean-Alix Solman, qui sont frères pour moi, et d'ailleurs que je dois n'importe côté privé dans le cinéma, je dois Monsieur Sassa parce que c'est la première personne qui m'a donné la chance dans un film. Okay? Et bien moi, monsieur, me féliciter pour Convoitise qu'elle t'a fait avec Fabien Nicola qui fut un succès. Et puis il me dit, monsieur, que je vais jouer un film. Monsieur dit, ok, pas ben, un problème. Il bon rendez-vous, on l'a, t'es gon audition, passe audition. D'ailleurs, mais Maxa, c'est début dans le cinéma parce que j'étais en retard. Et puis là, courir gon porte coulissante qui paguait en film ouvert et puis ça l'arrache, bon ça me frappe la dedans. Chaque temps moi ça me songe début dans le cinéma. Donc après ça, il vient remet sérieuxité, me passion, il m'a donné une chance dans son premier film Obsession. Mais film ça même pour moi même film là forme comme vraiment mais toute famille me chita pour me dire si veille m'a passé dans film là tellement comment ça ça veut dire passer vite manger et ben elle gagne des autres Matisse et vous passez courir pour pas tirer sous donc c'est ça c'est ton petit rôle puis par la suite il m'a donné un rôle principal dans et sans prendre souffle qui fut un succès que l'MPA tu me prend au award comme best acteur et puis après sans prendre souffle gon panoplie de films qui sorti parce que là qu'on a moun vin wè minimum talent que m gagne et puis ils aiment la façon dont je travaille la passion qui m'anime et puis on est rendu là non notre discographie en tant que acteur combien films déjà que ou ka di qui est dans actif on ban un paquet plus qu'une dizaine plus qu'une dizaine on ban un paquet parce que moi jouer dans film haïtien me fait quelques apparitions tout dans film canadien pendant que m'a vive l'autre bois donc plus d'une dizaine beaucoup plus qu'une dizaine. L'expérience avec Robinson Lovens comme étant réalisateur du film Married Man et de Je m'en souviens, qu'est-ce que tu crois que cela pourrait te rapporter en tant qu'acteur? Bon, ça me rapporte beaucoup de choses parce que de Married Man à Je m'en souviens, on voit une évolution. Une évolution sur le plan d'acting, mais aussi dans ma passion du cinéma. Parce que le fait que je porte deux chapeaux dans le film, je porte chapeau producteur exécutif, tout. Donc, ça vient fait que je garde côté carrière cinématographique, lié à la cinématographie en général, une belle évolution. Parce que, juste pour me dire, c'est par rapport avec Robinson Lovens, tout, que mais même moi vinn réanimer passion ça pour me continuer pour me regain l'idée travailler dans cinéma parce que là qu'on a là j'ai entreprise moi j'ai ma famille tu sais on peut pas prendre de risque surtout avec le cinéma haïtien qui fut moribond ou qui qu'on a en voie de développement grâce à Married Man et à Je m'en souviens donc monsieur t'es vraiment aidé me créer G-Spot production nous travaillons ensemble. Et il est très difficile, mais ça qui vient remè, c'est que malgré que le difficile, j'ai toujours un support lui, j'ai toujours un support tout le monde. Parce que pendant que j'ai géré le budget et puis j'ai géré le jeu d'acteur, il est lourd, il est vraiment lourd. Mais il est extraordinaire travail à monsieur parce que monsieur vraiment son monde qui toujours là pour le monde qui est bon côté. Okay? Qui toujours là. Et aider mon avancée. Donc, je pense que ça a été une expérience extraordinaire. Et côté acting, je me vois encore plus loin parce que ça a dépassé le niveau de Married Man, je m'en souviens. Nous battons pour pas faire nous encore. Et je pense qu'à chaque fois, nous montons niveau de 10, 15, 20 fois de plus. On regarde pour nous. Je m'en souviens et quitter, on me dit, cadre local, national. Et nous monter juste Sénégal à faire shooting. Comment expérience de Haïti monter Sénégal avec l'autre acteur africain pour vous et pour réalisateur? Mon cher, pour moi réalisateur, je pense sur ce point, c'est extraordinaire le fait que nous
nous franchi étape ça qui c'est ouvrir le cinéma haïtien à un autre marché. Et le marché africain est énorme et très bien structuré. Ça c'est premier bail. Deuxième bail, moi-même en tant qu'acteur, collaborer avec acteur sénégalais ça yo, li yon gros pas pour moi-même parce que j'ai pu comprendre que quand des gens sont animés d'une même passion, la nationalité ou la couleur de peau ou n'importe quoi, la croyance religieuse ou n'importe quelle autre croyance, ça n'a aucune importance. Parce que en travaillant avec eux autres, non seulement ils sont très professionnels, très respectueux, très structurés comme personne, mais surtout, ils sont très accueillants. Nous travaillons avec eux comme si c'est monde nous t'ai grandi avec eux, nous t'ai l'école avec eux. Tellement liens soudés en un rien de temps, clic en fait. Donc ils sont vraiment compétents comme personne, ils jouent très bien et ensuite ils se la pètent pas comme on dit en français. Ils ont vraiment collaboré à tous les niveaux, ils ont aidé à tous les niveaux qu'ils pouvaient, mais surtout tout le respect va au gouvernement sénégalais parce que on a collaboré avec le ministère de la culture, le ministère de l'intérieur parce que dans le film on a utilisé machines gendarmes, l'armée, soldats l'armée ou elle en film yo, c'est vraiment des vrais soldats. Koto en chita le nous dit nous la réunion ba yo, c'est vraiment dans locaux gendarmerie yo. Ministère culture, le ministre lui-même nan li dit nous tout simplement que Sénégal, c'est pour nous lier. D'ailleurs, li vle nous travaille avec. Exactement, quand on est arrivé, c'était officiel, moto devant, sirène d'autre côté de bralé, soldats long, bus rempli, la zam à la main pour n'importe qui bagaille pendant toute la durée du temps. C'était extraordinaire. Comment te senti pendant la période ça même? Mon cher, nous te senti content, mais nous t'ap senti encore plus content si c'est la caille nous. Qui te ba nous tout important ça. Parce que en fin de compte, Jean Robinson toujours dit là, tout ça n'a fait pour la caille nous, n'a fait pour peuple haïtien, nous pas fait pour nous, Robinson pas fait pour lui, Graffi pas fait pour lui, n'a fait pour communauté a, parce que si nous arrivons au niveau international, on peut utiliser le 7e art pour montrer les facettes qu'on ne veut pas que le monde extérieur sache d'Haïti. Je ne peux pas montrer bel côté, nous montrer la vache. Mon cher Gonda, mon consul qui, ou bien un diplomate qui était dans l'ambassade de France, la grande première, là, qui dit bon, lui-même, il faut aller contre côté ça. Exactement. Exactement. Je me rappelle Robinson, tu as un monde dans Hollywood, dans le cinéma hollywoodien, que lui-même, le t'es fin de faire off court film là. Que le tapman de le sale pensée parce que Robinson son monde qui vraiment ouvert à critique pour aller au le plus proche de la perfection. Les monsieur ouais image ça vraiment de si c'est Haïti. Yo dit oui monsieur dit pas vraiment cher. Faut mal qu'on Haïti ça. C'est qui fait que nous autres on veut utiliser tout ça pour mais en gros c'est une satisfaction extraordinaire d'avoir été vers le Sénégal sous toute angle. Kounya nous peut-être au niveau international parce que avec je m'en souviens c'est évident que il y a une porte qui va l'ouvrir pour nous ou même en tant que acteur et acteur principal dans tous les deux films ça qui ça ou on devrait dire respect et sur le marché international avec de vrais producteurs internationaux, de vrais réalisateurs internationaux. Moi je m'expecte à un moment donné on va plus parler de cinéma haïtien, on va parler de haïtien qui a fait cinéma. Qui ça me veut dire par là, c'est que n'a fait des cinémas à niveau international selon les normes et les principes établis avec le budget qu'il faut. Qui ça me veut dire par là, l'homme dit cinéma haïtien, c'est que cinéma haïtien, il répond à budget nous qu'a possédé tout petit moyen que nous gagnons. Mais si je dis en Robinson Lovens, à un moment donné, qu'a travaillé avec un budget de 1,6 million de dollars, c'est un gros pas que lié pour un film. Nous commencer bon nous déjà parlons film haïtien, nous l'en film nous c'est haïtien qui a fait film parce que là nous déjà prend l'autre niveau, nous qu'a dit nous à peu près plus proche du cinéma indépendant américain. Donc en fait moi-même moi expecte que à un moment donné on va vraiment avoir un cinéma haïtien international là maintenant en tant qu'acteur du film je m'en souviens. Quel serait donc ton message pour les jeunes acteurs en herbe qui voudraient
avoir faire une carrière quand même dans le cinéma? Il faut savoir que il faut persévérer. Lorsqu'on va avoir fait et ça m'a répété Jean Robinson qu'on dit là, pas penser à ça pour le faire, hein. Penser à rêve ou pas limiter par rapport à moyen, mais aller au maximum parce que si ça ou fait, ça rêver, hein, li bon et pas l'argent qui a bloqué ou a besoin d'en déboucher quand même. Pas dit ah bon m'a réfléchi à un film 20 000 $ parce que non, réfléchir aussi grand que rêve ou ka permet tout et puis après moyen a vini et c'est comme ça n'a privé. Il faut pas se donner de limites, c'est conseil ça me ba nous. La preuve en est bien grande, je m'en souviens pour le montrer nous ça. Merci Graphie, c'est quoi ton nom complet? Graphie Junior Jules. Merci Graphie, bonne chance. Merci à vous. 10,000 of subscribers. 10,000 subscribers. Parce que je dis, je ne peux pas rater l'occasion, c'est la belle journée, ça va me dire chaque merci. Merci parce que nous avons supporté Adduction Media. Merci parce que je dis, Adduction Media a compté 10,000 subscribers. Merci à chaque monde qui est venu sur la page, par curiosité, ou du moins parce que vous avez rencontré l'équipe Adduction Media en côté, soit en Haïti, ou bien aux États-Unis, ou du moins la France, ou bien la Martinique. Merci en pile à chaque grand monde qui était abonné avec page Adduction Media. Merci et n'a continué de dire merci parce que vous faites nous confiance. N'a continué de dire merci parce que vous continuez de faire nous confiance pendant que vous allez inviter chaque grand ami qui voulait rester connecté avec Showbusiness. Soit dans bal, dans reportage, dans article sur website là ou du moins sur page Facebook et Instagram là. Nous vous merci en pile. Dans chaque grand équipe Adduction Media, moi dis nous merci. Et je dis, j'aime te dire tout à l'heure, il peut pas passer sans me dire nous merci pour 10,000 subscribers. Nous c'est Adduction Media, n'a travail pour vous. Nous c'est un lot web média. Merci en pile pour 10,000 subscribers.